Bonjour, moi saluer toutes amis, toutes fans, faisait la caille. Qui ça et journal là, lui-même lié. C'est un mineur, malgré c'est un mineur, il gagne 16 ans, mais c'est un malfroid. Il a déjà qu'est. Monsieur est arrivé, fait qu'à déjà sous maman, il violait maman là, qui gagne 42 ans, malfroid ça lui-même lui fait. Ça passait Saint-Domingue en République dominicaine, bandit ça lui-même, il violait maman. Et nous pas faire rectification sur journal et journaliste là pour le dans vidéo ça. Et par son le journaliste qui bail nouvelle nous pour partager l'ensemble avec nous côté il dit et bandit ça lui-même, il pas jugé et yo condamné pour 15 ans sans qu'il pas passé devant Julius, c'est pas vrai, n'importe zak que mon te fait, n'importe ça que mon te a. Ou a passé devant Juju quand même pour aller juger. Yon l'autre information nous ben l'a corrigé, c'est que en République dominicaine, n'importe zak, yon mineur capable de commettre. Ça fait pi gros zak, tout zak, pi faux zak, kap fait Saint-Domingue ou ap jeune mineur la donne. C'est parce que la loi lui-même li protège mineur yo. Et gen seri de gang ne ki nan drog yo itilize ti moun piti yo mine yo pou fe zak yo paske konen yo pa pase an pil tan nan prizon. Ne pot zak ti moun nan te kapap koumet Saint-Domingue li pa fe piske 5 an nan prizon. Apre 5 an la ge, li te met te touye moun, li te met fe ne pot sal te kapap fe a. Apre 5 an, et l'app est sorti. C'était rectification, ça nous voulait faire pour les qui ont même autant de la nouvelle là, parce que nous même nous là pour nous capables de barrer l'argent que lui-même lié à. C'est un devoir pour nous capables d'informer sur une nouvelle argent qui lié à nous bolis dans bon et ma maintenant. Invité pour capable tendre ensemble avec nous dans émission journal première occasion qui passe sur Caraïbes FM et développement et info ça. Comme information, c'est triste. Hein? Un petit garçon, 16 l'année, il violait maman, 40 ans. Ça passait dans qui ville exactement, République dominicaine, nous apprenons l'idée Bao et lui risquait qu'on ait 15 ans de prison, Alexander. Exactement ça, Elias Pignas, et bien, jeune ça, et bien, qui violait article 30-2, article 330, article 331 et article 33. Il était là, il y a non-l'ordre d'arrestation qui c'est 0049-2020. Et la police arrêté lui et écoutez, l'idée va actuellement là pour lui passer 15 ans en prison sans juger avec maman. Mais selon la dominicaine, et bien, et selon la loi et jeune adolescent, et sinon ça doit faire 15 ans en prison parce qu'au niveau de propre maman et la justice dominicaine avec la police dominicaine prend ça et prend sanction ça. C'est parce que je sais, jeune, fumé. Il va le décontrôler et demander par un tour, mais qu'est-ce qu'on trouve sur Timono, parce que ça, c'est un non seulement l'aide, mais pour une famille et une petite n'importe comment, ça fait l'aide dans le pays, et demander par un tour, en plus mesure, pour que ce soit Timono, pour que ça ne pas être bientôt, parce que ça, sans l'image pays, non seulement à niveau touristique, mais à niveau international, à des mondes, qui peuvent descendre au Domingo, et chaque jour et nuit, et ça capable de mettre le pays à la déroute et en tout questionnement pour la famille, maintenant, il demande un peu de avec maman et papa, gens de vidéos qui a fait une regarder non seulement dans la laptop, non seulement dans l'iPad, mais sur le téléphone, contre le téléphone, parce que nous avons fini à regarder et bien sûr ça a un peu de problème dans la famille dominicaine, nous avons encore parlé là. Pour connaître ce qui a passé en République dominicaine, la caille voisin, hein, suivez-nous lundi, mercredi, vendredi avec Alexander Galvez dans Ticozé, dans Payol, Ticozé pour qu'on finisse, hein, vous voulez ajouter qui ça? Non, c'est que nous avons qui est la société pour nous, son qui a vu Saint-Domingue. Non, qui va être avant Saint-Domingue, la Haïti, son fan et mon dieu, bon fait parce que c'est nous qui a pu être dans notre pays, bon conseil. Et puis chacun d'entre vous, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, pile nouvelle sur la communauté, nous disons, 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 qui permettent que nous disons, capable de vérifier et gagner plus d'informations, puisque là, son résumé ne fait, nous pas mettre tout il y a un journal OI, il y a un journal Diario Libre, il y a un journal El Dia, il y a un autre Dia, et bien, tout le monde a pris un petit peu de temps à l'éo pour nous capables de garder
comment situation est-ce qu'il réellement va établir pour Saint-Domingue même l'élection même regarder ça va pour Saint-Domingue mais situation pas bonne dans le connaître donc pour une fois hein nous pas prendre exemple République dominicaine parce que ça passe République dominicaine et il n'est pas inspirant donc nous va pas prendre ça comme modèle donc nous et l'île a un problème donc en pile situation qui arrivait ici nous ouais ou l'autre bois pour soit après les vent là et voilà République dominicaine n'a suivi pendant longtemps la question électorale et arrivée et il y a un problème dans l'élection il y a élection hier yo qui annulé merci en pile Alexander Galvez ou même qui était avec nous pour causer dans Payol n'a prêté en dehors pays à nous pour aller plus loin et là nous pour aller rejoindre Lydie Alexandre pour actualité internationale la matin Caraïbes, actualité internationale. Qu'elle fait, c'est à 5 minutes dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Direction, l'autre bord frontière, tout j'ai braqué sous République dominicaine, côté élection municipale à Clocalio, Paris fait ailleurs, dimanche élection qui était obligée à annuler à cause de dysfonctionnement système informatique. Là, et c'est pour première fois ça arrivé. Depuis République dominicaine prend route stabilité politique là en 1968 Alexander Galvez avec nous au rentré bonheur matin pour venir et rejoindre nous en studio donc pas de gâte à voter bonjour et bonjour ça yo yo t'écouté 8 milliards 377 millions pesos et un personnel de 1900 monde qui était mobilisé pour élection ça yo qui pas arrivé fait hier après 143 jours campagne électorale réaction venu de différents secteurs ou parler de secteur privé dominicain mais gagné parti politique qui réagit et yo longé doit être sous juge électoral yo Alexander Galvez. Exactement. Hier et après-midi, le président réuni avec toute l'autorité dans la Fondation de Toilio. Alors, la Fondation de Toilio, on parle de Toilio, c'est même avec CP, sauf que lui-même est permanent, on n'a pas besoin. Et il réunit avec eux. Il y a par exemple, Roger Gonzalo Castillo, parce que PLDA qui demandé une vérification, lui a demandé une vérification, et lui Sabinandel a demandé une vérification et puni mon yo qui fait ça. Mais tout bien, par exemple, l'autre parti civil dominicain, qui m'a demandé de révoquer tout le monde qui fait partie des gens qui sont dans le révoqué. Et voilà, je viens de tout côté des partis politiques qui ont demandé tout, dans un pays sérieux, et nous avons tout à l'heure révoqué et emprisonné. Parce que non seulement l'argent qui est dépensé pour seulement hier là, comme nous le sommes dit récemment 4 heures de temps, et gagné. 140 communes qui participaient, bientôt, il y a deux personnes qui mourent,
il y a deux monde qui mouri dans ça et puis ça pour la première fois n'a pas gardé dans quelque capital par exemple hier la police il prend la rue et en branle avec toutes sortes d'équipements qu'on a gagné pour éviter problème pas oublier dans le capital là en Santo Domingo et business sur pratiquement n'est pas fermé il y a toujours ouvert avant petit porte en ville et imaginez ce monde et quand boue un bon monde quand boue un roche et qui ça que ça a produit. Et malheureusement, ça n'a pas produit de casser votre munition, mais quand même, jusqu'à maintenant, la conservation très tendue en Dominicanie pour accueillir les acquis campés, et c'est pour la première fois en Dominicanie, c'est notre national, est-ce que c'est vrai qu'il y a une nous pas connu, mais on sentit un problème politique en Dominicanie. Ouais, c'est une indignation pour la société dominicaine qui, ça fait longtemps, n'a pas vivre la situation. Ça, nous lis différentes réactions, la classe politique, le secteur privé qui demande, on chita parler, mais il y a dit tout, il faut des sanctions qui prennent contre le juge électoral en République dominicaine pour sauver l'image de la République dominicaine. Mais Haïti surtout, il y a mis dans des barrières, il y a Haïti mondial, Ron, Luis Guerra, c'est ça? Oui, Juan Guerra, c'est un artiste de renommée mondiale. Donc, il dit que son honte pour la République dominicaine. Exactement. Il y a bien plus de fans qui a hier parlé. Eh bien, hier, tout est un peu crié. En fait, parce qu'il y a un match qui a tombé. Et ça que il dit, il faut que nous venions chez ta parler. Il n'y a pas tant de Saint-Domingue tombé dans la même crise qu'en 2014 là. Dans l'époque, côté Peña Gomez, c'était un peu avec Balaguer, il n'y a pas tant de ça. Mais historique là, c'est qu'en 1968, les Saint-Domingue ont commencé à faire l'élection libre et démocratique là. Tout de suite après, un coup d'état de Wambosch, dans l'époque, ça, nous connaissons qui ça qui était passé en Haïti avec Wambosch. Il a gagné un groupe de monde qui était entré dans l'ambassade dominicaine dans Pétionville, et qui sont parqués de Bozaille. Et dans l'époque, ça, et bien Wambosch est obligé de quitter le pouvoir dans le coup d'état après. Et il y a un journaliste qui est et ça va d'hôpital Louga avec Percatoga qui est Latio Garcia et qui font une bonne réunion et ils prennent décision en 1968 pour qu'il n'y ait pas d'élection côté Joaquim Balaguer qui a remporté l'arrangement à l'époque là et si n'avait pas d'historicité de l'élection dominicaine jusqu'à hier et c'est un national qui est là et c'est ça qui fait tout ou même l'ambassade américaine où les citoyens ont dit attention pour nous parler dans une zone tantôt dans le cadre attention dans une zone de Santiago, on a arrêté plusieurs côtés qui ont eu violence hier, mais sauf que la police dominicaine, la main dominicaine, est présente, mais ils ont fait tout garantie, le président, pas inquiète d'eau, nous-mêmes, là, on n'a pas pire. Oui, à côté de notre ambassade américaine, Harry Sortissant, qui a vécu en République dominicaine, mais position communauté internationale, là, sur annulation élection, on connaît, OEA, tu as une mission observation qui d'ailleurs t'est déployée pour superviser l'élection. Est-ce que tu as une position sur ce qui s'est passé? Exactement. Hier, après la réunion qui a eu dans le national, le président de l'Omédine avec OEA, et nous connaissons OEA dans nouveau, et mon interprète, son ancien président chilien, qui a la tête OEA. Et il a réuni, mais malgré OEA, tu as dit, même de la com et observateur de la conduite, ils ont réuni avec le président et ils ont demandé pour qu'ils soient capables de passer de une nouvelle élection. Alors, une nouvelle élection qui ouvre un grand débat parce que non seulement les magistrats ont prendre le mandat fini, et nous commençons à prendre le 24 avril de l'année, ils ont commencé comme magistrat, mais tout, et la Fondation des droits dominicains dit qu'ils ont fait l'élection le 1er mars, mais selon la loi dominicaine, ils ont fait l'élection dans un mois. Et si on ne fait pas normalement, il faut adouer réamender la constitution dominicaine parce que sinon, il n'y a pas de mauvais institutionnel, non seulement pour magistrat et tout, et il n'y a pas de fragiliser l'élection présidentielle. Le cas là, nous voyons que c'est Gonzalo Castillo et Luis Abinadel avec Mme Fernandez. Si l'élection ne pas finie en terme, eh bien, 16 mai, Kavina, pas qu'il y ait une élection présidentielle en Dominicaine.